dus 4 wiet. 4. On va donner la parole à Assia. Welkom allemaal. Bienvenue tout le monde. Je suis Daniel Koch avec Blok sur la piste. Et on va vous montrer plusieurs le travail à la main et sous la selle. Elle va d'abord peut reconnaître la piste et on va faire un travail pour de se rassembler. Et on va avoir une petite partie la biomécanique et comment on l'adapte. On sépare l'extérieur du bras, le cheval extérieur pour rendre le dressage le plus fonctionnel, comme tout le monde le sait et qui connaît les frisons. Les frisons et qui travaillent un peu plus en extension dans leur badeau pour faire que la jambe arrière, le postérieur, est plus faite pour prendre la puissance et que les jambes antérieures sont moins faites pour porter. Alors que lorsque vous mettez l'attention sur ça lors de l'entraînement d'un freinant, sur le dos, bas du dos et la flexion de membre arrière, et de le rassemblement tout dans l'arrière. D'arrière même. Donc ça sera plus facile de les faire entraîner. Car le galop est souvent difficile, on veut l'avoir rassemblé pour avoir plus vers l'avant. Est-ce que vous voulez surtout pas que vous ramenez le cheval freiner le travail, parce que le frison a son cou est relativement court. Donc si vous gardez un nuque très court et un long pot et les jambes seront plus vers l'arrière. Et donc, vous voulez rassembler le cheval de notre façon. Donc, on va voir comment on fait. Mais je pense que vous avez suffisamment d'énergie. Et on va commencer par travailler un travail à la main. C'est là où on peut vraiment avoir une action directe sur le corps. Le cheval a plus de facilité à se courber et flexion de son bassin. Bon, Bianca est évidemment un exercice magnifique. C'est pas évidemment qu'on peut prendre n'importe quel cheval et on va faire ça. Les entraînements de base doivent être bons, la maîtrise des muscles, et c'est petit à petit qu'on peut, en jouant ce jeu, et c'est pas que ça marche tout de suite très bien, mais c'est vraiment pour entraîner l'usage du corps, pour qu'on a des bénéfices après pour le travail sous la selle. On le prend une fois, on prend la longe et on le prend à la main, l'épaule un peu vers l'intérieur. Et c'est un exercice assez facile, que le cheval tourne plutôt vers l'intérieur avec son épaule et qu'on va utiliser de son truc. Et de cette façon, on peut entraîner le jambe arrière. Et là, on aura plus d'influence sur l'arrière-main et sur le bassin. Va vers un peu plus vers la droite. Et fais l'arrêter une fois pour que les gens puissent voir. Voilà, à l'arrêt, parfait. Pour les gens qui sont à l'opposé, on voit que c'est ici le coup. On balance l'extension, flexion. Lors du galop, on le voit souvent. Ce que je vois, les frisons sont plus vers l'extension avec les postérieurs en arrière. Donc on veut vraiment entraîner le cheval qui met dans la flexion et l'extension. On peut le mettre un peu plus au milieu, un peu plus sur la piste pour que l'autre côté du public puisse aussi voir ce que je explique. Donc le bassin se trouve ici et de là à là. Donc voilà, ici. Ça c'est l'extension, ça c'est flexion.
réflexion. Bravo. On veut avoir le mouvement. On veut l'avoir plus que la partie logique du cheval qui veut vers l'extension pour l'amener plus vers le devant en flexion pour mettre la posture plus sous la jambe et qui vient sous le corps. On va démarrer ici. On ne veut pas que le travail travaille un peu avec beaucoup de stress et d'une façon hectique. Il faudrait qu'il s'exerce d'une façon le plus détendue possible. Et voilà, c'est parfait. Et hop, et on arrête. Les gens qui sont assis juste à côté peuvent voir la hauteur du dos. Allez, on avance un peu. Vous voyez que sa croupe descend. Et hop, mon bassin descend. On va de moitié à Piaf. Donc il va d'extension, plus de flexion. Donc on va aller vers la côté plus court. Pourquoi c'est si nécessaire et utile? Cette flexion de bassin, cette tension, enfin, rassemblement de la ligne de bas, parce que ça, on peut démarrer le galop à partir de là, et là on a un corps plus compact. Oui, c'est très bien. Bon, c'est clair, je pense qu'il est clair que le fait parce qu'il est capable et qu'il a compris, et pas parce qu'il est stressé et qu'on l'a forcé. On l'explique en petit par petit pour que le cheval apprend d'abord à monter un peu sa jambe et qu'après, depuis la position d'arrêt vers le pas, vers le tronc, et qui peut petit à petit changer de différentes allures. Et que lorsque cet exercice est facile, on peut prendre sa point de départ pour tout. Par exemple, en rendre plus compact le trot, par les différents échelonnements, et aussi à partir de là, faire le point de départ à partir de là pour le galop. Bonjour. Vous pouvez vous imaginer qu'à partir du moment que vous êtes assis sur le cheval, qu'il doit contrebalancer le poids, que lorsque vous le faites à la main, c'est pour ça que c'est important de l'apprendre en tenant le cheval à la main. Mais faites surtout le focus, l'attention sur cette bascule du bassin. Donc maintenant, lorsqu'on va vers le galop. Oh, attends, on a besoin d'un petit tabouret. Et on nous apporte un petit tabouret. Ah, merci. Et de cette façon, on montre la part de se raccourcir, se compacter depuis le bassin pour que qu'on peut garder l'avant-main le plus long possible. Ça, c'est des justesses. Il me semble sympathique de vous pour faire dans un galop un peu plus libre, de faire à partir d'un galop un peu plus libre, pour il peut être dans son peut montrer son grandeur naturelle. Moi, je trouve, je suis pas vraiment un entraîneur de cheval de prison. J'ai déjà travaillé avec eux, mais moi, j'ai trouvé ça vraiment un galop très joli, naturel de ce cheval. Il a de nature déjà un postérieur déjà assez actif. Comment on va compacter, rassembler ce galop sans qu'on perce le saut et que l'usage du dos? Parce que c'est là où ça va souvent un peu moins bien.
il ne s'agit pas uniquement de le reprendre, parce que là, il se raccourcit et il perd dans le galop. Donc c'est pour ça qu'on a dit qu'on va raccourcir, le moins freiner, mais juste... Donc, le cercle de, pour le vertice-cercle faire. Et là, on voit le cheval qui va plutôt vers le deux, en avant, plutôt que le freiner. Et là, le postérieur montre que le cheval va vers l'avant et fait le cercle de plus en plus petit pour que ce ne soit pas trop court. Au moment que on sent que le cheval est compact, que tout devient plus compact et que tout se ressemble, on voit que c'est vous le thème avec les frisons sur lequel vous devez mettre vraiment l'accent lors de l'entraînement. Et évidemment, ils ne peuvent pas avoir la meilleure allure, mais il fait toujours que le cheval se rassemble et compacte à l'intérieur, et pour qu'il y ait l'impossibilité de l'avantage de se passer vers l'avant. Tout ce que je vais vous partager d'autre avec les frisons, surtout dans le galop, le frison a besoin de plus de puissance pour arriver à ce portance. Et ça coûte, pour le frison, par exemple, 2 à 3 fois plus d'énergie. Son rythme cardiaque augmente beaucoup, et ce qui fait que ses muscles deviennent plus acidifiés. Et le galop devient, comme ça, pour cette raison, de moins en moins bien. Et lorsqu'on mesure le rythme cardiaque, et on se rend compte qu'il faut faire des sessions plus courtes. Donc, une fois que le cheval s'est bien rassemblé, encore un peu plus, et le naseau un peu plus vers le devant. Et là, vers le pas. Et puis, on fait de nouveau, enfin, à nouveau un peu de pas. Et un bon moment d'apprentissage où le cheval arrive à se rassembler. Et après, on passe un peu au pas pour que le rythme cardiaque puisse ralentir et ça évite l'acidification des muscles. Je vois souvent que quand le cheval fait trop longtemps fait un galop, que ses muscles sont déjà acidifiés et que c'est à partir du moment-là que vous le rassemblez, c'est presque trop tard. Donc sachez que vous devez entraîner l'entraînement avec des courtes périodes d'entraînement. Ils n'en sont pas capables de le tenir trop longtemps. Une autre manière de rassembler le galop. Alors, va un peu, va essayer de voir. Oui, et utiliser ça pour un petit départ pour le galop. Là, il se dresse bien devant. Et là, il peut faire un démarrage petit, mais très joli. Un petit pas, récompense. Et avant qu'il revienne vraiment dans le galop important, vous arrêtez le cheval. Donc, dans le rassemblement de cheval, vous faites quelques petits sauts. Et là, vous savez que votre cheval va plus vers l'avant et prend plus d'appui. Vous le fermez, le pas, et vous le récompensez. Et vous dites, oui, ça, c'est le galop que je veux. Voilà, très bien. Alors, quand vous vérifiez que le devant est ouvert et que derrière est rassemblé, quelques petits pas, petits sauts, et pas. C'est magnifique. Là, il ne perd à pas un moment ce modèle qui se trouve dans son corps. C'est bien mieux que de faire 10 tours de galop. Et pas. Et la récompense. Oui, c'est important pour que le cheval le fait ce que je lui demande. Il a résolu une partie de ma question. Il faut vraiment, par le positif, le récompenser. Il sera 10 fois plus efficace.
Et ce que vous voulez vraiment garder, c'est cette envie d'aller vers l'avant. Mais s'il ne l'a pas, il ne peut pas le faire. Et puis, il est surtout bon sur la place. Il veut toujours aller vers l'avant. Mais pour faire un test de temps heureux, surtout que vous êtes dans ce galop rassemblé et que le cheval peut aller vers galoper vers l'avant. Donc, on a fait quelques sauts de galop. Et après, tu le laisses faire un galop vers l'avant. Mais si c'est la coordination et sont les muscles que vous voulez surtout qui sont entraînés. Et là, maintenant, prends le plaisir et va vers l'avant. Parce qu'évidemment, ce trot, vous voulez l'avoir aussi. Et là, vraiment vers l'avant. Le naseau un peu plus vers l'avant. Monter le naseau. Oui, là, c'est très bon. Oui, et là, tu refermes. Et l'idée, je vais retourner vers le piaf. Mais qu'on ne raccourcit pas uniquement l'arrière, l'avant-main, mais aussi l'arrière. Oui, on est en train de apprendre les enchaînements. Donc ça, c'était pas fait par exam, mais c'était vraiment bien ce qu'a fait le cheval. Ce qui est simple. Et voilà, soudainement, il fait par accident entraînement, alors qu'il... c'était pas ce que j'ai demandé, donc ne le punissez jamais, il ne savait pas ce que vous voulez pas. Et là, donc bon, comme ça pense, oui, il a cru que ça, c'est le moment c'est où je suis capable de le faire. Donc en fait, il faudrait à ce moment, même si ce n'était pas demandé, le récompenser. Donc là, de galop vers l'avant, le rassemble, le cheval. Donc on va vers le pas et après vers le piaf. Oui, c'est magnifique, ferme. Commence à faire un galop plus ressemblé. Maintenant, le pas. Et maintenant, piaf. Ah oui, c'est magnifique. Et récompense. Qu'est-ce que vous faites? Vous le montez droit. Et il revient vers cette galop rassemblé. Et vous voyez que le cheval commence à s'échauffer. Et avant que ça se fasse, vous allez vers le piaf et vous mettez vers le piaf et vous allez vers le devant, vers l'arrière. Et il n'est pas, le cheval ne s'effondre pas. Mais il peut se rassembler dans un piaf. Est-ce que c'est clair ce que je vous ai expliqué? Ou est-ce que vous avez des questions? Oui. Oui, j'aime beaucoup quand on me pose des questions. Pardon? Oui, la question. Que faire quand le cheval ne sait pas faire le piaf? Il faut commencer par l'apprendre. Et le mieux, c'est que vous êtes capable de le faire vous-même ou quelqu'un que vous connaissez, mais fait le mieux de se le faire apprendre par la main. Mais si vous avez, c'est pas le cas et que c'est loin, et si vous voulez quand même commencer l'entraînement, il faut pas vraiment faire le piaf, mais vous pouvez commencer à s'en inspirer, faire un galop un peu compact, et je fais le pas et hop, je fais une transition vers le galop. Et donc, de faire travailler bien les enchaînements, toujours vers l'avant, ce que ce soit le piaf ou le galop, ou même faire la marche vers l'arrière, un pas vers l'arrière, trop. Le but, c'est que vous ne restez pas uniquement, vous enlisez dans le freinage, frein, et que le cheval se trouve avec la postérieure en arrière, de plus en plus en arrière. Et là, il faut faire vraiment beaucoup d'efforts pour l'amener vers l'avant. Il y a d'autres questions? Non, plus de questions. Bon, parfait. Alors, on fait encore un tout petit peu. Je prends.
Parce que pour le tros, on peut dire la même chose, la compense, la sorte de petite danse, le rythme, les cadences, et c'est ça que vous voulez apprendre. Hein. Et c'est pour ça que le chef doit se rassembler. Le rassemblement, c'est en fait l'augmentation de l'élan, que c'est en fait si on part du la force de horizontale, que vous les transformez en puissance et un appui horizontal, vertical. Et ça va ensemble avec la capacité de portance et la faute, l'erreur qu'on commet. Et souvent, on ne veut pas le fait de pousser, oui. On veut aller vers le, pas horizontal, mais vers la verticale. Mais on pense qu'on doit faire pousser. Et là, on aura de moins en moins de vitesse. Donc, comment on fait ces changements? On enchaîne. Changement, les enchaînements, voilà, un peu plus d'un. Donc c'est, il faut dire toujours vers le devant, 10%, attends, et avec et après, mais plus d'impulsion pour qu'il aille plus vite. Et un petit trop, monte le naso, allez, mets un peu dans le plan, oui, on revient, et maintenant avec la jambe avant sans qu'il avance, et en avant, c'est parfait, oui, c'est un bon exemple de faire de reprendre, allez, en avant. Et ne faire pas avancer les jambes, mais laisser se en place. Et après, remettre les jambes en avant. C'est un sort de jeu qu'on joue avec le cheval. On le reprend et il reste un peu plus sur place. Et là, en avant. Et hop, on rampe. Et avec la cadence avec les jambes. Oui. Et hop, on le dirige tout droit. C'est parfait. Oui. Et pour que les gens sur les tribunes voient encore mieux, donne un peu plus de longueur aussi s'ils commencent à marcher un peu plus. Oui, enfin, rattrape. Absorber et hop, vers l'avant. Oui, et vers l'avant. Encore un peu diagonal et un peu plus en longueur. Avec en fait le trot, ce qui est important aussi, c'est quand on dit on veut vraiment avancer. Donc on va les diriger vers tout droit. Vers l'avant. Ah, c'est bien. Oui, avec la main trop bien allongée. Et là, on va tout à l'heure vers un passage. Ah oui, c'est parfait. Alors, c'est parfait. Et en fait, ce qu'on souhaite, c'est avoir 6 impulsions que vous avez lors de le trot. C'est ce qu'on voudrait aussi avoir dans les passages de transition. Va aller pas vers le devant, mais plus vertical. Et ça, c'est difficile à obtenir, donc il faut le faire très progressivement. Aussi, dans ce travail d'entraînement pour les passages, il faut donner ces impulsions et un peu de coordination sur l'arrière du corps et aller de plus en plus vers cette transition. On peut le faire des deux côtés, on peut l'aborder des deux côtés, donc aller les enchaînements vers le vent ou vers en passant par le piaf, ou par exemple que faire un trot et là créer la cadence un peu en avant, alors qu'un peu vers le galop,
Alors tranquille, tranquille. Allez, non, reviens, reviens, retiens. Parfait. Un peu en avant. Et on reprend. Et légèrement en avant, essaye de trouver le moment, d'attraper le moment qui va vers le. Veut aller. On sent qu'il veut aller l'avant, mais il ne le fait pas encore. Et c'est là où on peut faire la cadence. C'est parfait. Et un peu en arrière, on revient. Oui. C'est parfait. Et on arrête. Oh, c'est bien. C'est ce qui est vraiment sûr. Lorsque Fokker perd bien, mais il faut le sait pas toujours, donc il faut vraiment lui dire. Oh, quand il dit oh, Poppy, oh, il vient vers sa tête vers moi. Et là, on le fait depuis le piaf. Et c'est là on a plus de flexion du bassin. Et le rassemblage du corps. Et c'est là où on va plus dans la cadence. C'est beaucoup plus difficile de garder vers l'avant. Un peu en avant. Oh, c'est bien. Ah oui, c'est vraiment sage. Oui, on va aller vers l'autre côté. Là, je vous ai montré qu'il pouvait démarrer par plus de rassemblement dans le piaf. Et c'est à partir de là qu'il a pu aller vers le trot. Et on va le refaire une fois de l'autre côté, de la piste. Allez, avant, vite, vite, avant qu'on vienne. Oui, piaf. Encore plus de piaf sur la place et plus il est resté vers l'avant et passage pour l'amener vers le passage vers l'avant. Oui, c'est bien. En caresse. Oh, j'entends que notre temps est révolu, donc un grand applaudissement pour comme je vous en prie. C'est super, mesdames, messieurs, parce que c'est le travail, que tout ce qu'on doit faire pour faire travailler notre cheval et meilleure prestation du cheval de Bocco. C'est vraiment un super cheval et un super Amazon. Merci pour Bocker van Rijpman, et pour la cavalière Danielle Koch. Et merci au Yonka FPS.